Maxime, vous commandez, c'est GFL Cuisine Girl, j'en fais dans le dit votre chef à la maison qui est de la canne. Jeudi, elle va préparer pour nous poisson rose au jambon qui nous remet. On va prendre filet. On va retirer la tête là. Et on va retirer le petit bout qui est en bas. Pour moi, prendre filet, je vais faire le couteau. Je vais glisser sous l'arrière. L'arrière, c'est ça, nous avons les os. Les os qui sont en plein centre. On va retirer tout. Zo qui sous côté yo là. Là, il va gagner zo encore. Des filets de poisson rose, on va finir nettoyer l'autre là. Tout zo ça qui ça vous faire avec yo, ou pas jeter ou conserver dans ça et vous pas faire fumer des poissons avec. Avec fumer de poisson, leur fait poisson grillé ou qu'a fait une sauce avec. Même venir avec filet de poisson rose là. On va l'assaisonner à l'intérieur. Pas bien c'est grillé, va griller, n'oublie pas aussi jambon gain pile sel et nous mettez poivre. On y a là, ça c'était pour ça de me déposer le soulier. Ça aussi c'est pour lui. Une fois que j'ai bien assaisonné le poisson, je vais venir avec un petit papier sulfurisé. Je vais déposer le papier sulfurisé. Je vais venir avec le jambon. Je vais bien étaler le jambon. Étaler le papier. Quand je vais mettre le filet de poisson dessus, je vais faire coucher sur lui comme ça. Je vais prendre l'autre côté et faire la même chose aussi. Quand on a là, je vais prendre les soins de ma batte pour me faire un rond. Et là, je vais vous délire. Même venir avec jambon là, je déroule là. Je retire le plastique là, je quitte le grand forme. Et je mets foie en bas foie à 350 degrés. Et puis, on va colorer le jambon. Lèk el fin bien coloré, nous virer de bord avec même poil là, mettez en bas pour 10 minutes. Pendant que poisson au jambon a cuit, on va faire un petit vinaigrette pour manger. Ça va faire, on prend un petit vinaigre balsamique et puis mettez un petit huile d'olive. Balsamique c'est déjà salé, même mettez un petit poivre. On juste boire laver. C'est tout. C'est avec ça qu'on a mal le vider sous les pour nous manger. On va le voir. Venez. Ça nous dit, hein? C'est vraiment bien beau. Là, c'est très très chaud. Je vais quitter le point un petit 2 minutes de refroidissement. D'accord? Et puis après, ça m'a bien. Je vais mettre ça là. Je vais mettre un petit salade. Un petit bébé pina. Ou même, on va mettre salade ouverte. Hein? Je vais même choisir bébé pina. Et puis là, c'est très 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 bon, ok? Pour la santé. Et on a là, je vais déposer le poisson. Waouh! Avant de déposer l'autre là, je vais couper le poulet pour nous carottes. Quand on a là, on va couper un petit morceau là-dedans pour nous carrer qui j'en poisson en là-dedans. Faut que tout nous bien couper, hein. Et voilà, waouh. Ben, parfait, hein? C'est excellent, hein. C'est parfait et excellent. Là, on va le déposer. Petit salade là, qu'on va manger avec sauvre. Quand on a ce que ça fait, mettez un petit vinaigrette dessus. Et voilà. Un poisson rose avec jambon. Ça nous dit. C'est bon, hein? Waouh! Pas oublier de partager la vidéo à mon donné. Faites un mieux qu'on aime retourner encore. C'était GFL Cuisine Créole. Jean-Philippe Lézy, votre chef à la maison de l'Académie. Merci. Au revoir.